Bonjour, c'est Lara, et bienvenue pour cette diffusion consacrée à Project Zero, le masque de l'éclipse lunaire, un survival horror sorti en 2008. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter ma playlist Fatal Frame 4. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner avec la petite cloche pour les notifs. C'est parti! Allez, on continue. Il y a un cachet, il y a un cahier sous le lit, il devrait appartenir à un patient. C'est arrivé hier, la souffrance de cette nuée d'insectes noirs rampant en moi me faisait suffoquer de douleur quand j'ai vu la lit. Pardon. Ah. J'ai tenu le... Excusez-moi, j'en pense, le cachet sous le lit, hein, le cahier sous le lit, pardon. Allez, on recommence depuis le début. C'est arrivé hier, la souffrance de cette nuée d'insectes noirs rampant en moi me faisait suffoquer de douleur quand j'ai vu la lune. J'ai tenu la main pour toucher sa douce lumière transperçant les ténèbres. Puis je me suis rendu compte, j'étais sur le toit, prêt à enjamber la rambarde. Un pas de plus, et j'étais mort. Mais étrangement, ça ne m'a pas fait peur. Les nuits de pleine lune, j'ai l'impression que tout est permis. Tuer un être cher, choisir de se donner la mort, tout est pardonné au clair de lune. Et le lendemain, rien de tout ça ne sera arrivé. C'est l'impression que ça me fait. C'est pour ça que je ne veux pas sortir les nuits de pleine lune. La prochaine fois, il ne fait aucun doute que la lune m'emportera. Je voudrais entrer dans le reflet de la lune sous la mer et bien tendre la main depuis le toit pour la toucher. Je sais qu'au moins 3 patients se sont jetés du toit alors que la lune était pleine. Vais-je subir le même sort? J'arrête plus ça. Homme devant une chambre. On va te suivre. Non, c'est fermé. C'est ouvert, ok. Les feuilles de papier sont éparpillées sur le lit. Certaines sources racontent qu'un scientifique, le professeur Kunihiko Azo, serait venu en visite sur l'île de Rugetsu à la fin du siècle dernier. Il a mis au point différents appareils permettant de communiquer avec l'au-delà, mais leur efficacité n'a jamais été prouvée. De nos jours, ces théories sont considérées comme une pseudo-science. En lisant ces écrits, j'ai découvert que nombre d'entre eux faisaient référence au masque de cette île. Certaines de ces théories sont assez décousues et fantasques, mais dans l'ensemble, c'est assez fascinant. Selon le professeur, les masques de l'île de Rugetsu ont été créés pour influer sur l'esprit de leurs porteurs. Les humains sont des êtres facilement influençables. Par exemple, lorsqu'on voit quelqu'un rire, on a envie de rire soi-même.
Professeur Azo appelle ça un transfert d'émotion. Il part du principe que ces masques amplifient ce processus en contrôlant les émotions de ceux qui les voient, tout comme la lune représente notre foi intérieure. Les masques représentent chacun un état d'esprit particulier. Le professeur décrit une expérience au cours de laquelle il a vu une fille qui n'avait jamais touché une flûte de sa vie jouer un morceau de flûte après avoir mis un masque. Sa théorie est que les masques stimulent les zones spécifiques de l'inconscient et qu'ils agissent comme une sorte de vecteur de la mémoire. L'idée des masques serait des vecteurs de la mémoire est assez stimulante. Très stimulante. Le professeur poursuit en émettant l'idée que les masques permettent de partager les émotions, un peu ce qu'on appelle transmission sans fil de nos jours. Je suis pas d'accord. Mais quand il a dit la phase ultime du partage d'expérience, c'est l'expérience de la mort. Mais le reste, sa théorie est vraiment passionnant. Professeur Azo s'est inspiré de l'art de la gravure, des masques et des matériaux qu'il utilise pour mettre au point sa caméra obscura, en particulier pour les pellicules qu'il utilise. Une caméra obscura est exposée dans le musée Azo. J'aimerais pouvoir l'observer un peu de plus près pour voir si elle possède vraiment des pouvoirs qu'il lui prête. Ah bah si, t'inquiète. Hein. Non. Bon. Bon, bah, finalement, je peux pas te parler, toi. C'est toujours bloqué. Ah ouais. Ok. Il n'y a rien d'autre là. Directeur invite Misaki. Ok. Te suis, mec. J'ai pas confiance en toi, mais je te suis. Enlève ça. Vite, cours. Oh putain. Heureusement qu'il est lent, hein. Directeur descend les escaliers. Ok. On va te suivre, hein. Non, c'est L2 pour courir, c'était. Tu devrais. Enfin, courir. Trottiner. La trottinette. Ça trottine, ça trottine.
Eh ben, 2 secondes. Directeur va faire la salle d'examen, ok. Ah, ça va sonner. Directeur avançant vers le fond. Ah, ça part sonner, c'est bizarre. Ok. C'est persuadé que ça allait sonner encore une fois. Directeur va dans son bureau, devant son bureau. Esprit là, mais je vois pas. Esprit photographié, mais ah, peut-être là. Non. Non, pourtant. Non, tu me saoules là. Comme ça. Non. Qu'est-ce qu'il y a celui-là? Il est où? Regarde, et puis à la fenêtre, quelque chose d'apparu en surimpression. Ok. C'est 10 pierres spirituelles bleues. T'en es où déjà, toi? 18h, ok. C'est mon dossier médical. Nom Azo, prénom Misaki, sexe féminin, âge 7 ans, chambre 310, lune décroissante. Le syndrome sélénite montre des signes de récession chez la patiente, mais le traitement a été compliqué, plus compliqué que prévu à cause de son grand potentiel spirituel. Son cas est très grave et d'après les cas similaires, comme la patiente de la chambre d'isolement, il n'existe pour l'instant, aucun moyen de freiner l'aggravation des symptômes. Il faut clarifier son programme thérapeutique de toute urgence. Du coup, il y a, un... ah, si, il y a encore une là.
L'interphone est doté d'un pavé numérique. Quelque chose a bougé derrière la bibliothèque, mais attends. Faut que je vraiment que je descende là. C'est ça, c'était ça le truc. Bon bah allons-y hein. J'ai des enveloppes sont posées sur le bureau. Ouais, mais attends, il y a quelque chose. Pas une. Par là. Les étagères sont pleines de dossiers médicaux ou d'autres documents. Ouais, mais non. Je voudrais trouver l'objet là qui brille, là, s'il te plaît. Voilà, ici. Ah, vous allez trouver des films de type 90. Ça, c'est cool. Tiens, docteur Aibara et Mezaki, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah! Qu'est-ce que tu veux, toi? Non, là! Okay. Au bout d'un moment, casse les couilles, hein. Mais que s'est-il passé ici? Est-ce que j'avais un rôle dans tout ça? Nom Azo, prénom Misaki, sexe féminin, âge 7 ans, chambre 310, lune décroissante. Une semaine s'est écoulée depuis l'échec du rite de retour. En évitant tout stimulus extérieur et en les exposant à la lumière de la lune, à travers le puits au clair de lune, l'état des exécutantes a pu être stabilisé. Toutefois, la santé mentale de Misaki est très instable et ne tient qu'à un fil. Son état pourrait se détériorer à la moindre occasion.
Elle pourrait mourir d'un choc causé par un traumatisme mental ou, dans le pire des cas, éclore. Il est difficile de savoir quel pourrait être le déclencheur, un son, une odeur, un mot, les phases de la lune. De nombreux points restent encore obscurs. Mais il est fort possible qu'on se remémore des souvenirs en rapport avec le rite du retour, la laissant complètement basculer. PS, durant mes examens, elle a plusieurs reprises porté la main sur sa joue pour la caresser. Sur ma joue pour la caresser. Visiblement, elle n'a pas complètement perdu la mémoire. Jeune fille se retournant. Ah, il y a encore un objet par terre là. Ah, vous avez trouvé l'objectif 0. C'est un peu mieux que ce que j'ai comme merde là. On va voir déjà 15. Est obstrué par un éboulement. Ok, il n'y a rien de plus ici. Bon. Ah, développe. Piette, avançons vers le fond. Je suis, machine. Ah. C'est pas la peine de crier, moi j'arrive, hein, t'inquiète, hein. Vers là-bas, je pense que c'est là. Misaki emmené quelque part. Ah merde. Faire des combos comme je veux, mais bon, moi j'en fais mal là. Pas besoin de moi. Non, pas après. Thank you.
deux. Un scrutin. Ah, ça part vite quand même les films là. Là, ça part vite. Eh ben. Film du type 14, ça tombe bien. Il y a un livre en piteux état. Ici. Alors. Et ceux qui suivent. Alors, ceux qui suivent l'apprentissage de la voie primordiale, profonde et mystérieuse grotte, par le seul puits au clair de lune, les âmes peuvent s'en retourner à leur corps. Ils payent le prix de l'apprentissage, perdent l'esprit ainsi que leur âme. Là, d'aucuns demeurent aucun demeure vide, leurs âmes faillissent à revenir à leur corps. C'est dément. S'ils s'en revenoient en ce monde ainsi vide, l'éclosion sera leur péril. Seule la lueur de la lune peut montrer le chemin aux âmes. Que les corps soient menés au puits baigné par le clair de lune, afin que les âmes puissent être retrouvées. Ceux qui deviennent vides et perdent leurs âmes doivent baigner dans le clair de la lune hors le puits. Ainsi, quoique perdus, ils peuvent être retrouvés. Merci pour l'écriture. Alors, est-ce que c'est toi le méchant de l'histoire ou est-ce que c'est la grande dame que Misaki voit dans ses rêves? Ah, putain, c'est peut-être la même personne, j'en sais rien. Ok. Tu es revenu. Tu m'étonnes. Non. Attends. Oui, avance. Ah, elle veut pas courir, cette conne. Ah, ça va, heureusement qu'elle marche doucement. Un jeune fils dirigeant quelque part. Ouais. J'ai déjà vu ce genre de scène dans le 3 où elle suivait un membre de sa famille et puis elle n'aurait jamais revenu. Donc, du coup, bah. J'ai l'impression que Misaki va y passer.
嫌いもの奏でとなるんだ。Alors c'était elle la grande méchante finalement. Puis l'autre est venu guider pour en finir. Enfin, je suppose que c'est ça. Hop. Oh oh. Ah, ok. Bien, allez. Attends, on va prendre le 61 ce coup-là. Je m'étonnerais que ce soit la grande méchante finalement parce que la contre est pas au milieu du jeu comme ça. Alors, c'était elle en fait. やっぱりミヤにしましょう。この子はあなた、大切にしてね。Ah, j'étais ami avec une poupée depuis tout ce temps. Pitié. Ok, fin du chapitre. Je sais pas ce qui est arrivé à. Je sais pas ce qui est arrivé, mais bon. Voilà, ah, bien. Misaki, cherchez le nom. Résumé.
Lorsque Ruka entend la mélodie jouée par la boîte à musique dans sa chambre, les souvenirs ressurgissent. Son enfance en famille, avec sa mère Sayaka et son père Soya, sculpteur de masques. La seule chose dont elle ne se rappelle pas, c'est le visage de son père, assis à fabriquer ses masques. Ruka reprend ses esprits et retrouve le masque d'exécutante qu'a sculpté son père. C'est le masque qui lui a fait porter la personne responsable de son enlèvement il y a 10 ans. En lisant le journal de sa mère, Ruka découvre que Sayaka soupçonnait son mari de vouloir utiliser les filles pour une sorte de rituel et d'être impliqué dans toute cette affaire. Ruka comprend maintenant quelle raison sa mère a quitté son père. Cependant, dans la grotte située sous la clinique Aibara, Ruka a très nette impression d'être déjà venu à cet endroit. On sait que c'est Shoshiro, mais bon. Faut lui donner un morceau de masque. Bon bah, adieu, Shoshiro. Phase 9, le retour, Ruka, Inazuki. Bon, toi aussi tu vas y passer, bah, cool. Il y aura deux de moins comme ça. M'a emmené ici, par un chemin sombre depuis. Voilà, y a rien. Bon, allez. On va peut-être retrouver Misaki à force. Oui,
C'est par ici qu'on m'a emmené là-bas. Là, c'est bloqué. Nébulement obstrue le passage. Il y a un passage étroit, on devrait pouvoir passer en rampant. Voulez-vous traverser? Oui. Donc là, ça se dépasse en deux là. C'est par là qu'est venu le fantôme. On va essayer par là, je suppose. Oh là là, ça va être compliqué. On vérifie tout, de toute façon film de type 90, ok. Très bien, ça c'est cool. Et on continue le chemin comme ça, on verra bien. Ah, c'est vrai qu'il faut que je photographie ce poupée de merde là. L'addiction de la poupée est élevée. Il y a quelque chose à côté de la poupée. Vêtue de rouge, les poupées Ozuki font partie du folklore de l'archipel de Rogetsu. L'origine est incertaine, mais certaines racontent qu'elles étaient confectionnées par leurs parents qui avaient perdu leurs enfants en mémoire de ces derniers. Sur certaines îles de l'archipel, on dit qu'elles portent le malheur, mais sur l'île de Rogetsu, on dit qu'elles éloignent les mauvais esprits. Et si on avait pour coutume d'en placer à divers endroits. Ok. Vas-y, on fait un peu le tour, hein, on verra bien. La force, il n'y a rien là.
J'ai trouvé bien un père spirituel bleu, ok. Il y en a un autre là qui a bleu. C'est en bas ou quoi? Ah merde. Hop. C'est en noir dedans, je pourrais pas l'appuyer. Non. Attends. Je pourrais, moi. Attends, on va essayer de l'autre côté là. Le tour de sacré, ok. Habitant de l'île Tremblant. Quelque chose a été griffonné sur une feuille de papier. Elle arrive. Tous ceux qui ont vu ont éclos. Cette femme, cette femme, cette femme, cette femme. On a tous vu. On est tous venus se réfugier ici, mais là, elle arrive. Son visage, visage, son visage. Je ne vois pas son visage, je ne vois pas son visage. Je ne vois pas son visage. Ok. Habitante de l'île effrayée. Et un vrai combat. Plus ça, non, donc du coup, du coup, rip,
qui est là-bas. Qu'est-ce qu'il y avait? Je dirais que c'est un cul-de-sac aussi. Je vois là en bas, mais bon. J'y retourne. Bon, j'ai pas le choix. Hein. Attends. Non, ça c'est. Je tourne en rond là. Je retourne en bas là. Chier. Que ces couilles, hein, cette merde. Ok, il n'y a qu'une seule issue là. Ah, il y a un objet là. Ah, vous avez trouvé 20 pièces spirituelles bleues, ça me fait penser que j'ai pas fait ça depuis longtemps. Avec elle, 58, ok. Donc on va faire celui-là de 30 là. Sensibilité. Sensibilité, allez hop. Et j'en suis à 28, ok. Bon. Pareil, droite ou à gauche, attends. Fin de type 90. Allez, on va aller par là pour changer. J'ai trouvé 5 pierres spirituelles rouges, je sais plus où t'en es avec ça. Ah, ça fait 15. Il en faut 25 au minimum. Et un vieux carnet. Tout est de la faute de ce masque. Il n'est pas de ce monde. Ce terrible désastre a-t-il fait s'abattre sur cette île. Jour de l'indolence, bien que vivant, tout deviendront comme mort. Il ne faut surtout pas regarder ce visage. Ah.
s'il te plaît. Bon, elle est de ce côté. Voilà. Qui a apparu quoi. Ça. J'ai pas vu. Ah putain. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Femme dans le passage primordial.